Hey, bonjour à tous et bienvenue sur du Feed the Patrick en compagnie d'épée. Hey, bonjour. Et on se retrouve. Alors, pas chez moi du tout. Si, un petit peu chez moi quand même. Mon chez moi, il se trouve là-bas. Donc ça, c'est le côté de la ville. Je vais juste paramétrer mes touches pour ceci. Hop. Toi, tu vois là. Tac. Non, de l'autre côté. Tac, tac, tac. Et tac, voilà. Ouais, tout est... Alors, pendant un certain temps, il n'y a pas eu de vidéo de FTP. C'est un petit peu normal du fait que je suis en train de transférer mes items là-bas. Pas totalement mes items, mais une bonne partie des machines, en tout cas, qui vont aller ici. Alors pourquoi? Parce que là-bas, ça lag énormément. Pierre a peut-être trouvé... ce qui est connecté, lol. comment dire, il y a peut-être des résolutions de bugs au moment où je suis en train de venir tourner. J'ai fait une nouvelle maison, donc une nouvelle maison, on va dire ça plutôt une demeure, parce que c'est un peu plus grand que je pensais ici. Je vais juste baisser le son. Hop, voilà, 1%, comme ça vous entendez rien au niveau du truc. Alors, voilà, le pattern de la maison fait ça au niveau des feuillages. Alors, peut-être ici, il y aura une genre de grande piscine, je ne sais pas, je verrai par la suite. Mais je ne suis pas très bon au niveau décoration. Alors, on va pas continuer les abeilles dans cet épisode, hein. On va faire de la déco. Ça change un peu, et puis, de mon côté, ça va vous permettre peut-être de donner des idées concernant la baraque, parce que moi, question décoration, zéro, hein. Je fais les 10 trucs basiques, mais je ne fais pas de construction réelle. Alors, j'ai fait les ruches au milieu. Les ruches vont peut-être se barrer pour laisser place aux machines, on n'en sait rien. Les ruches, je vais peut-être les mettre sur le toit, par exemple, pour faire vraiment un petit côté bio. Tiens, il y a Pierre qui rejoint. Et par la suite, on verra. Alors, ceci est beau, sauf que... c'est pas symétrique par rapport ici, parce que j'ai si, en fait, si, c'est symétrique, ça. C'est symétrique. Ah oui, c'est au niveau des ruches que c'est pas symétrique du tout. Ouais, enfin bref, je verrai par la suite, peut-être les décaler, en fait. Ouais, mais c'est pas symétrique. Déjà, c'est par là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si, c'est symétrique. Ouais. J'ai peut-être fait une connerie sur un coin. Ah. Peut-être. Bon, enfin bref, je verrai. Mais n'empêche que, voilà. Ici, on lag pas. Moi, je suis loqué à 30 via Fraps. Mais sinon, je tourne à 40. Et si j'enlève le lockage, je suis à 120 ici, hein. Aucun souci, aucun pet de lag, hein. Donc là, on va juste revenir dans la ville. Attention. Et bonjour. Ah, ça lag. 14, 12, 15, 30. Voilà, et ça charge pas trop, hein. Donc c'est... notamment, il y a quelques bugs visuels. Ok, ça, c'est une belle... Beat. Ça devait être Biggs. Donc voilà. J'ai commencé à enlever ici. Petit à petit, hein. Pierre, il avait vu sa prank et il était content. Mais n'empêche qu'ici, ça lag, hein. Vous avez vu, j'ai des drops de frame. C'est énorme. Ma base de laser qui va être enlevée. Ici, je vais refaire un petit côté déco. Les machines ici, je vais les laisser. Parce que j'ai pas envie d'encore de tout redéménager, patati patata, hein, voilà. Ici également, je vais laisser parce que je trouve ça fun. Et puis je vais remettre le truc sans fil au milieu ici. J'irai en remettre un parce que c'est du fluide, hein, c'est à partir de là que j'ai mes stocks. Tout de suite. Mais au niveau de la ville, je veux rester ici. Peut-être que ça va partir, ça va aller dans... Comment ?
Ailleurs, donc ici c'est des invincibles. Les invincibles me permettent d'avoir de la, comment, du platinium. Le platinium, j'en ai besoin. Pas le platinium, le tungstène, voilà. Mais c'est quasiment injouable, hein. C'est limite. Donc, hop, hop, voilà. Donc j'ai toujours mes abeilles ici qui produisent petit à petit des draconites. Alors il faut peut-être qu'à un moment je les arrête. Parce que j'en ai plus vraiment l'utilité. C'est les raffinettes et les pétroliums. Donc vous voyez, au niveau de tout ça, j'ai ce qu'il faut. Puis j'en ai plein, hein. Donc devrais peut-être mettre au niveau des fluides ici. Comme ça, je les fais aspirer via les fluides directement. Ça éviterait peut-être des petits soucis ou de les faire traiter en boucle. Et puis sinon, ici, bah, c'est les invincibles, donc c'est le platinium. Donc vous voyez, je les ai remis il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était hier ou avant-hier. Je les ai mises et voilà, j'ai tout ça en platinium, en tungstène. Alors le tungstène, il est quand même un petit côté très long. Même si Shorty, de son côté, il a beaucoup. Disons que les Blast Furnace, lui, il les a overclockés x2. Donc il consomme 15 000 RF parties chacun. Donc c'est très très bouffant, hein, rien qu'une MFE. Je pourrais limite enlever ça et me connecter directement dessus, comme la plupart m'ont dit. Sauf que je veux avoir un stockage. Et comme ça sort du 512, ça aurait pété. Sinon, il fallait mettre un HV, patati patata. C'était un petit peu assez chiant, donc j'ai vu que ça coûte moins cher. Bah, moins cher. J'en avais en stock, du coup, je les ai fait. Hein. Le CPU va changer. Alors, c'est pour ça que j'ai. Il y a une partie. Alors, ça ne consomme plus 460 ou 700 et quelques MJ. Il y en a bien moins. Je vais le changer. Ici, je vais remettre un petit peu à plat, faire un petit toit. Je vais garder quelques abeilles dedans, hein, parce que j'ai pas non plus envie de tout déplacer au niveau de mes abeilles là. Surtout qu'elles produisent bien, elles produisent petit à petit. S'il faut que j'en rajouterai. Mais dans l'immédiat, je ne veux pas les déplacer. En plus, c'est une 256K, j'ai encore beaucoup, quasiment. Voilà. En clair, les industriaux, j'en ai 115 000, des impériales 18 000, encore ça ne traite pas. Les émeraudes, j'en ai 115 000 aussi, de diamants également. Ouais, au niveau de ces trucs-là, aucun problème. Je les garde, je les laisse tourner, hein, ils ne font pas un pet de lag. Franchement, pas un pet. Donc voilà. Alors, niveau. Ah, c'est un joueur. Je fais du 2 frame. Hein. FPS. Youpi. Je suis en train de le taper, hein. Voilà. Hop. 2 FPS. Youpi. Chala. Il faut que je me casse de cette région. Voilà. Et pour l'instant, je laisse activer le système entier ici. Oh, ça. Pas déconnecté. Ah, ça a été reload. D'accord. Il y a quelques bugs. Quelques bugs sur ce côté. Ces machines-là, les deux Advanced là, induction, il n'y a pas de problème. Mais ceux-là, je les fais via les fibres directement, via un converteur. Comme ça, je suis tranquille. La fibre ne se fera pas déconnecter. Voilà, c'est juste comme ça. Pour l'instant, ça reste ici. Parce que via ma maison là-bas, bah, je peux contrôler, via ceci, hein, avoir un accès directement. On va retourner chez nous. Ah, là, c'est cool. Et voyez, ça charge direct et j'ai pas un pet de lag quand j'arrive. Hein. Voilà. J'ai pas un pet de lag. Je suis même très content. Alors j'ai mis du vert ici parce que je trouvais ça fun avec le colorant rouge, du vert rouge au milieu. Voilà. Le sol, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, vu que je n'aime pas trop la déco, j'aime pas trop. Mais il y a, alors c'est des carpenters parce que je vais enfin les utiliser correctement. Je vais pouvoir m'amuser à faire de la déco, de la vraie déco comme il y a ici. Hein. C'est des bûches allongées mais avec des carpenters.
C'est plutôt mignon, c'est beau, mignon, ouais, plus ou moins, mais c'est quand même, il y a un petit côté quand même que j'aime bien. Donc voilà. Il y aura peut-être des vitres spéciales de Factory Reloaded ou d'Extra Utility, des glaces. Je ne sais pas ce qu'on pourrait prendre comme glace. Je vais pas prendre ceux-là, sachant que je les ai déjà. Ceux-là, peut-être pas. Ah, après, il y a peut-être de foresterie aussi. Ah oui, c'est un peu chiant à faire, en fait. Ah oui, d'accord, c'est vraiment chiant. Et sachant qu'il en faut un par machin. Oui, bah, on va peut-être... Bon, même si j'ai ce qu'il faut, hein, ça, il n'y a aucun problème. Mais on va peut-être pas non plus... tout ça. Après, ouais, voilà, il y a les glaces d'Extra Utility qui peut être pas mal, hein, donc alors c'est simple, hein, c'est juste du glace et de la tsène que vous faites cuire, donc ça fait ceci, et vous pouvez après les colorier par exemple, ça peut rendre beau, je sais pas. Après on peut les chiseler, hein, donc j'en sais rien en fait. Je ne sais pas ce que je pourrais mettre comme glace. Je sais pas. Après, je vais pas mettre non plus des trucs de Rycraft. Hein. Faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est. Non. Salut toi. Ça boum. Ouais. Ça cut. Du coup, voilà. Après, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Si vous avez un pattern de maison, j'ai bien dit, si vous avez un grand pattern de maison, pouvez toujours essayer de reproduire ça en vanilla et me dire quel est le bloc, par exemple, qui doit être changé dans un autre matériau qui pourrait être sympa. Je sais qu'il y a des très bons constructeurs chez vous, de votre côté, en tant que viewer, donc je pense que ça, normalement, il n'y a aucun problème. Au niveau des blocs, c'est pas un souci, je peux avoir quasiment tous les blocs qu'il y a. D'ailleurs, on peut la chiseler celle-là. Merde, la chiselle est là-dedans. Je suppose, oui. Le glace. Ouais, encore, c'est la glace qui fond ça. C'est pas la même glace que Man Reload Factory. Voilà. L'histoire de glace, c'est quand même sympa. Oh là, il y a tellement de blocs. Du coup, j'en sais rien. Franchement, je n'en sais absolument rien. Bibliothèque, après, je peux en refaire s'il y a vraiment besoin. Mais il y a un point que je veux faire quand même. Alors, pas au niveau de l'entrée. Au niveau de l'entrée, je crois que ça sera un truc automatique. On va dire que sur les côtés, je vais faire des escaliers qui montent. Ou autour de ça. Autour de la de ce genre de choses avec bibliothèque, un escalier qui monte, ça pourrait rendre pas mal parce que les élévateurs c'est bien, mais c'est voilà, hop, vous sautez, tac, vous êtes arrivé, c'est cool, mais dans le petit côté RP entre parenthèses, hein, je dis toujours ça, je voudrais bien quand même quelque chose qui soit un petit peu vanilla. Sans non plus que ça soit pure vanilla gogo. Hein. Parce que rien que ça, c'est pas vanilla. C'est du chisel, ça aussi. Ça, c'est forestry et la carpenter. Donc rien que ça, c'est bon. Hein. C'est pas du vanilla. Mais voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Sérieusement, moi de mon côté, je n'ai pas d'idée. Près de l'as, au niveau de la glace. T'es sérieux? Ah, soldat arrive carrément. Ok. Après, voilà, c'est. Je ne sais pas du tout, du tout, du tout, quoi faire. Oui, bah oui, ça, je m'en doute un peu d'ailleurs. Mais... Voilà, c'est Man Reload Factory, c'est beau, c'est cool, mais. J'en sais rien en fait. C'est ça qui me dérange un peu, c'est que je ne sais absolument rien.
après, au niveau du vert, par exemple, ouais, sa peau, c'est quasiment la même. Hein. Green, lime, voilà. C'est juste au niveau du colorant qui change. Là, c'est cactus, l'autre, c'est cactus et ball mint. Ça, c'est pas trop un problème. Après, je ne sais pas du tout. Voilà, c'est ça le problème. Moi, la déco, ça fait 2 et... j'aime pas. Voilà. Voilà, voilà. Comment c'est moche. Ah, voilà, il faut dire ce qu'il est, c'est moche. Alors, il m'en faut un demi-stack par... comment ? Par fenêtre. Donc ça, c'est pas trop un problème, hein. J'en ai en stock, au pire je peux en refaire si je suis parti. Ah, il m'en faut même moins. Ah oui, parce qu'il y a une rangée de moins. Voilà. Ça fait ça, après... j'en sais rien en fait. C'est ça le problème, c'est que je ne sais absolument rien. Après, on peut vraiment essayer, hein. C'est quoi que j'avais utilisé ici? Non, c'était pas ça. Ah, c'est pas le même verre. Hop, 32, 56. Voilà, 64. Ah, on va mettre, tiens, on va mettre le verre. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, on verra bien dans les, je verrai bien dans le commentaire. Hein. Donc sur ce point, il n'y a aucun souci. D'accord, en plus j'ai oublié un petit étage. Voilà. J'en sais absolument rien. Donc, voilà. C'est vrai que hein, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Hein? Vas-y, va te coucher, ça sera plus simple. Voilà. Moi, de mon côté, je vais faire tout ça. Hein, et puis, on se retrouve juste après pour voir un petit peu au niveau de la déco. Voilà. Et on se retrouve juste après. Donc, voilà. J'ai fait le tour. Je sais pas, ça peut rendre bien quand même. Il faudra juste que je remette un petit peu de déco de droite et gauche sur... par exemple, sur les côtés. Parce que là, c'est trop brut. Hein, donc, c'est du bois brut. Le vert, ça peut rendre pas mal. De loin... ça pourrait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais de loin ça pourrait bien. En enlevant ça, c'est encore mieux. Le petit faisceau au milieu, moi je sais pas. C'est. On va dire que c'est bien quand même. Je suis pas très bon. Des fois, faire les choses simples, ça arrange pas mal de choses. Bon, ok, ça aide toujours mieux de faire des détails et autres. Déjà, en plus, ça on peut même pas le faire. Mais des fois, il vaut mieux faire simple que trop compliqué. Après, si je veux vraiment faire dans le mec mégalo, je peux par exemple utiliser des tanks de cryotérium en mode badass et en mettre un peu partout. Hein, par exemple, sur les deux piliers là, par exemple, je peux prendre ces tanks là. On va faire ça. Voilà. D'accord, en plus je peux même m'enfoncer dans le tank. Mode YOLO. Alors, je dis pas que ça va être beau, mais c'est un petit aperçu qui pourrait y avoir. Là, je suis dans le tank. Voilà. Soit en le faisant via le côté raffiné, donc en même temps ça utilisera du liquide raffiné là-bas, qu'on pourrait le mettre. Vu que c'est un petit peu, pas quasiment la même teinte, mais
un petit peu quand même. Je pourrais limite en mettre ça par exemple vraiment tout autour. Donc je vais le faire, hein. Je vais même le faire avec vous directement. Comme ça. Heureusement que j'ai les abeilles pour me produire tout ça parce que. Bah, heureusement. Je m'en sers enfin. Parce que sinon. Quoique, je pourrais toujours l'utiliser par exemple pour créer mon énergie. Hein. Malgré que comment. Je produis déjà cette énergie juste avant là avec le charcoal, mais je voudrais le produire quand même avec une forme liquide. Pour au moins dire que c'est pas que du bois que tu fais pousser, et une fois coupé, tu le fais brûler, ça fait du charbon et ça fait ça en boucle. Les abeilles, c'est différent parce que les abeilles, t'as. Il y a une partie quand même, les raffinades, t'en as chié pour les avoir et tu peux enfin, seulement enfin, pouvoir utiliser leur gène pour créer par exemple, voilà, ce genre de liquide, le pétrole, pétrole raffiné. Donc il y a quand même derrière un grand côté RP qui est quand même de réussir à voir ces abeilles. Ça m'a pris certes énormément de temps pour les faire, hein, ça je dis pas le contraire. C'est juste que voilà. D'accord, j'ai pété même le portail, moi. Je suis en mode badass. Y a quand même le côté, bah voilà, RP, c'est que. J'en ai chié pour avoir ce pétrole, donc maintenant je peux dire, pouf, j'ai fait le truc. Bon, quand même, n'empêche que ça rend quand même bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, niveau du bois, il y a du bois un peu partout. On pourrait faire en sorte. Et là, c'est vraiment côté gros badass à fond. Hein. Je dis pas le contraire. Là, c'est des tanks de pétrole. Comme j'ai du pétrole en masse aussi. Après, on pourrait faire le. Merde. Évidemment, c'était pas ça que je voulais. Voilà. Vu que c'est du pétrole. Voilà. Faire du genre que ça c'est le gros pilier. Et puis il y a Gaz de, je crois qu'il est en live en plus. Puis on peut le voir à travers le pétrole raffiné là. On voit à travers. C'est plutôt fun en fait. Hein. C'est plutôt bien d'un côté. On voit moins de l'autre, mais ça dépend des couches. Mais c'est super sympa. Et puis le noir, tu vois vraiment, vraiment un petit peu. Mais vraiment petit à petit, petit. Alors, après j'en sais rien. Hein. Le bois et la stone brick, on la voit quasiment partout. Faut dire ce qu'il y a, on la voit vraiment partout, la stone brick et le bois. Enfin, beaucoup de constructions, hein, mais je voudrais voir un petit peu ce que ça fait. Par exemple, ces deux gaz, on peut appeler ça du gaz, je sais pas. Le pétrole et le fuel, voilà, hein, en mode... coucou, voilà, ça rend bien. Non, peut-être le bois ou le bois vraiment ou le fuel par exemple vraiment que au milieu et sur les côtés on met comment. Ok, ouais. Et que sur les côtés, on met vraiment que le bois en fait. Je pense que, ouais, effectivement, que le bois, ça pourrait être pas mal. Ouais. On va faire que le bois. Bah, que le bois. Disons sur les côtés, on va faire que le bois et au centre, que le pétrole complet. Alors, bien sûr, on voit la bouse qui est en dessous, mais la bouse, je pourrais l'enlever. S'il y a que ça, je l'enlèverai. Voilà, ça fait vraiment côté boom badass. Et bah non, je m'en doutais que j'allais la rater. Toc 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 toc, pouf, voilà. On continue, hein, autant faire tous les côtés.
Voilà. Voilà. Ça fait côté pilier, pilier standard. Hein. Donc voilà. On en est à 25 minutes. C'est vrai que ça passe énormément vite quand on parle. J'ai pas remarqué ça directement. Après, je ne sais absolument pas quoi faire. Hein. Continuer un petit peu sur les côtés, faire un deuxième étage, oui, ça c'est sûr. Après, faire un toit en mode dalle. Peut-être avec que les carpenters. Je sais pas, je verrai. Hein, ça pourrait être pas mal, faire un petit étage sur les côtés. Avec genre balcon. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais absolument pas quoi faire. Donc c'est à vous de me le dire, à vous de me le dire si ça, un, ça vous plaît, et deux, s'il y a moyen de faire autrement, sachant que je peux le faire via la redstone, via la glowstone, hein, on peut faire via tous les liquides dans ces open blocks. Donc à vous de me le dire. Donc merci de m'avoir suivi, c'était pas un épisode de FTB comme comment. Comme d'habitude, ça veut dire les abeilles et autres. Là c'est plutôt déménagement et déménagement et puis comment, et puis faire un peu de déco, voilà. Donc voilà, et puis ça bah c'est le sans fil qui va directement là bas comme ça je suis tranquille, voilà. Bon allez, sur ce merci de m'avoir regardé quand même, hein, vous êtes quand même nombreux à me regarder, ça fait plaisir, surtout du FTP, donc c'est toujours sympa. Et puis voilà, hein, donc après à vous de me dire si ça vous plaît ou pas, voilà. Allez, sur ce c'était EP, et on se dit à la prochaine, ciao tout le monde.